Je suis Myrdhinn, gardien de Brocélian. Cette forêt, ma forêt, que les hommes ont baptisée forêt de Papon, est le dernier royaume de la féerie sur Terre. Mon royaume, en effet, est celui des fées et des elfes, des korrigans, mais aussi des chevaliers aux armures étincelantes, des sorcières aux infinies chevelures. Une forêt magique aux fontaines d'éternelle jouvence, aux arbres vivants, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, et parlant à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ma forêt est aussi peuplée de symboles et de sortilèges, égard à celui ou celle qui s'y aventure avec un cœur et un esprit impurs, et non préparé aux immenses mystères qu'elle recèle. Comprenez, chers amis, que si vous décidez d'effectuer cette quête initiatique à Brocélian, vous entrez dans des mondes qui ne sont pas régis par un temps fini, mais par un temps infini, que l'on peut atteindre autrement que par la mort. Le sas de ces mondes est accessible par le mystère des eaux magiques, de la mer, des rivières, et aussi des forêts telles que Brocélian, qui abrite la magie des ondines. Moi, Merlin, je parle avec la nature et avec les animaux. Je suis l'intermédiaire avec votre monde des hommes qui se détache de la nature. J'appartiens à un monde ancien et oublié, quand l'homme, l'oiseau et la fleur ne faisaient qu'un, et que la mort n'était qu'un rêve. Ma nature est subtile et polymorphe, et vous pourriez me voir dans un rocher, un arbre, un cerf, un jeune homme ou un vieillard. Si vous vous laissez guider par le murmure de ma voix, je vous conterai les nombreux mystères de Brocélian, et l'histoire de la fée Viviane, dont la marraine, la déesse Diane, lui offrit trois cadeaux à la naissance, l'amour, la beauté et le savoir. Je vous conterai l'extase de notre rencontre et le début de notre histoire d'amour à la fontaine magique de Barenton. Je vous conterai le Val sans retour, qui emprisonne les amants infidèles, mais empêche également Viviane de sortir de cette demeure. Viviane est la magie de l'eau, et c'est dans cette magie qu'elle revêtit le rôle de la dame du lac et qu'elle remit l'épée Excalibur au roi Arthur. C'est à travers cette féminité toute puissante et sacrée qu'elle intronisa le jeune Arthur pour en faire un roi. Moi, Myrdhinn, j'ai conduit et accompagné cette accession au trône du jeune roi de Bretagne, mais ce fut Viviane sous la forme de Guenièvre qui lui offrit son amour et lui accorda sa royauté, et ce fut Viviane qui à sa mort reprit l'épée de justice et sous l'enveloppe de la fée Morgane, accompagna Arthur dans sa dernière demeure. Toute la destinée de la chevalerie a été conduite par ces forces féminines incarnées dont je suis l'humble serviteur. Je vois l'avenir. Et le vôtre, chers amis, lorsque vous viendrez dans ma forêt de Brocélian, sera de servir dans cette quête du Graal. Le beau, le bon et le meilleur, pour le miracle d'une seule et même chose, l'unité de toutes choses. Ah ouais.